Bonjour à tous et bienvenue sur Mars Advisors. La chaîne vous propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler de la dernière IA de Google, Gemini. Alors, pour ceux qui suivent mes tutos, oui, j'ai déjà fait des vidéos sur l'IA de Google. Alors d'abord, elle s'appelait Google Bard, ensuite Google Bard Gemini, aujourd'hui Gemini. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment l'utiliser. Et après, on va la comparer à ChatGPT de OpenAI. Donc on fera Google Gemini versus ChatGPT de OpenAI. C'est parti! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur l'intelligence artificielle de Google appelée Gemini. Gemini.google.com/app. Je laisserai son lien en description. D'abord, pour y accéder, il faut bien comprendre qu'il vous faut un compte Google, donc un Gmail. Après avoir signé, vous êtes sur Gemini. À gauche, vous avez un bouton pour agrandir le menu, un plus pour ouvrir un nouveau chat, un bouton d'aide, les activités et les réglages. En haut à droite, vous avez une possibilité d'accéder à votre compte Google. Ici, vous avez l'endroit où vous mettez votre prompt. Donc là, vous posez des questions à Gemini. Et là, un bouton pour téléverser vos images. Alors pour commencer, on lui pose la question, quelle est la capitale de la France? Donc, il nous donne la réponse. Et on remarque qu'il a des détails. Par exemple, c'est la ville la plus peuplée du pays et le siège du gouvernement français. Il est connu pour son riche patrimoine culturel et historique. Ainsi que pour de nombreux monuments célèbres tels que la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame de Paris. Très bien. Alors, pendant que l'on va s'amuser à utiliser Gemini, en même temps, on fera des tests avec ChatGPT 3.5. Donc je reprends la même question que je pose à ChatGPT 3.5 de OpenAI. On notera bien que je suis sur ChatGPT et non pas sur GPT-4. Et que là, d'ores et déjà, on peut voir une différence entre les deux. C'est que Gemini nous donne plus de détails. On a la bonne réponse, la capitale de la France est Paris, mais voilà. C'est un petit peu plus détaillé avec Gemini. Donc, entre les deux versions gratuites, pour le moment, Gemini est au-dessus. Fais-moi un poème de 20 mots. Merci. Ah, merci. Voilà. J'envoie. Et je vous pose la même question à ChatGPT. Donc, Gemini est bien au-delà. Je pense qu'il est environ à 40 mots. Et pour ChatGPT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 piles, c'est très bien. Donc, la balle revient sur ChatGPT. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc maintenant, le fameux test pour faire un jeu. Fais-moi le jeu Snake en Python. Merci. Et la même chose ici. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On remarquera quand même que... Alors, les deux nous ont fait le jeu. Ils utilisent des modules différents. Ok. Mais qu'on a quand même des détails avec Gemini.
On va dire que le code est un peu plus clair avec les petits détails, fonctions détaillées, boucles principales, alors que ChatGPT nous a sorti le code directement. Bien, on est sur VS Code, je vais tester le jeu. Alors d'abord, le code pour Gemini. Je fais play, et il n'y a rien qui se passe, on a une erreur. Donc le code de Gemini n'est pas bon. Ensuite, je vais sur le code de ChatGPT. Je fais play, et on a bien cette fenêtre qui apparaît. Et donc, on peut jouer à Snake. Regardez. Donc c'est le jeu de base, hein. Lorsque je mange une pièce rouge, mon serpent grandit. Mon serpent vert grandit. Très bien. Et si jamais je vais contre un mur, j'ai perdu. You lost. Parfait. Donc, le code de ChatGPT fonctionne. Alors que celui de Gemini n'a pas fonctionné. On peut donc dire qu'actuellement, ChatGPT de OpenAI est meilleur que Gemini de Google. Néanmoins, Gemini est pas mal du tout. On peut voir qu'il a réussi à faire un code bon, qui n'est pas totalement correct, mais c'est une bonne base. À partir de là, on peut espérer qu'un jour, Gemini soit meilleur, voire meilleur que ChatGPT. D'ailleurs, j'ai déjà hâte de tester Gemini Advanced, donc la version payante de Gemini. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Gemini Advanced, il faut aller sur cet article de blog, qui sera aussi laissé en description. Et ici, vous avez une vidéo qui vous présente Gemini Advanced. Alors, quand la fonctionnalité sera accessible en France, je ferai un tuto. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez apprécié. Si vous avez des questions, c'est les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.